de septembre, là, ça a gelé, il fait assez froid au col des ânes. Direction la pointe Percée pour établir un petit temps de montée. J'espère que je ne suis pas parti un petit peu trop fort. Parce que là, comment j'ai déjà tiré les jambes. J'espère également que la montée ne sera pas trop gelée. Parce que c'est un peu glacé par terre. Givré. Surpris dans la montée là. Je suis tombé dessus. Là dans l'approche de la combe finale vers le névé estival, je me suis fait surprendre par un bouquetin. Je suis tombé derrière dessus. À 2 mètres. Ça y est, là on est dans les rampes de montée. J'ai passé la première vire. Là, c'est tout le système de pierriers instables. Et après vers le sommet et tout à droite. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock. Put. Alors on va arriver vers la rampe. Il va falloir traverser sur la droite. Avec 2-3 pas d'escalade. Sur la pointe Percée, on a clairement deux sections. La partie inférieure sous le refuge du Grand Musset, très facile d'accès, sans difficulté particulière. Et les 400 mètres supérieurs, où là on entre dans un monde assez minéral, qui se relève progressivement avec des passages d'escalade entrecoupés de vires. Donc là on est dans la traversée du milieu, et on a un passage d'escalade pour reprendre un couloir sur le haut. Voilà, là, c'est la première diagonale. C'est pas d'escalade. Don't you know you? Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. Sky is so much clearer on the other side anyway. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side. Anyway. Sky is so much. La descente de la pointe Percée, ce qu'on appelle le rasoir, pour rejoindre la combe de montée derrière. Passage assez aérien au-dessus de la vallée de Salanche. Donc quand on cause aérien à la pointe Percée, ça veut dire une certaine ambiance sur la gauche. L'itinéraire passe tantôt sur le versant ensoleillé sud et par moments sur le versant Grand Musset en nord. Ah, là c'est une partie où il faut faire attention. On est dans une traversée oblique pour rejoindre les rampes inférieures. On va arriver au-dessus du dernier palier, dernière partie d'escalade pour rejoindre la combe à droite. Let's roll, let's get out of Hicksville. Take stock of what they say. The sky is so much clearer on the other side. Anyway.